Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau test produit. Il s'agit du lait pour le corps Eucérin. C'est parti! Alors, j'ai été sélectionnée par Simpléo et Eucérin ou Eucérine, j'ai toujours un petit problème sur la prononciation, pour tester leur lait pour le corps Urea Repair Plus émollient 10% durée. Voilà, alors je suis super contente parce qu'à l'approche de l'hiver, c'est vraiment le soin qu'il me fallait pour le corps. Donc, c'est un émollient apaisement immédiat qui dure 48 heures de la peau sèche. Donc, c'est un lait pour le corps, pour les peaux sèche à très sèche, à tendance atopique. Voilà. Et donc, il y a de l'urée, de la céramide et du NMF. Ça élimine en douceur les cellules mortes et adoucit la peau. Voilà. Donc, c'est pour le corps. Ça relipide la peau, ça réhydrate. Et avec l'hiver qui arrive, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Alors, normalement, c'est pour les peaux sèches à très sèches et rugueuses ou à tendance atopique. Alors, qu'est-ce que c'est que la peau atopique? C'est la peau qui est vraiment extrêmement sèche, qui réagit à tout et n'importe quoi, j'irais bien comme ça. C'est-à-dire que dès qu'il va faire trop chaud, dès qu'il va faire trop froid, votre peau, elle va devenir rouge, il va y avoir des petits boutons, ça va gratter. Et donc, vraiment, il y a un inconfort extrême. Et ça peut être sur tout le corps ou sur simplement une partie du corps. Moi, personnellement, j'ai la peau atopique depuis quelques années seulement. Je pense que c'est dû à un amoncellement de mauvais produits à l'époque que j'avais utilisé. Et à force, ma peau, elle m'a dit stop. Et de la façon que j'ai eu des petites plaques rouges comme ça au niveau du décolleté, du dos. C'était très très inconfortable, ça me grattait. Et à partir de là, j'ai vraiment pris soin de mon corps et pris soin des produits que j'ai achetés, que j'achetais. Aussi bien au niveau des gels douche qu'au niveau des crèmes pour le corps. J'ai vraiment commencé à regarder la composition, les étiquettes et à ne pas acheter n'importe quoi. Et depuis, heureusement, ce n'est pas revenu, mais ma peau, elle a été fragilisée et c'est vrai que je dois faire très attention et mettre toujours un hydratant spécial peau atopique au niveau de la poitrine, du dos, des cuisses. Heureusement, le visage, ça va, j'ai rien au niveau du visage. Même les jambes, je peux me permettre au niveau des jambes, des petites fantaisies, de lait hydratant un peu parfumé parce que les jambes, ça va. Mais autrement, tout le reste, je dois vraiment faire attention et mettre des hydratants spécial peau atopique sans parfum qui vont hydrater ma peau et qui ne vont pas la faire réagir. Donc, Eucérine, je connaissais la marque, mais je n'avais jamais testé de lait pour le corps de cette marque. Et en fait, celui-ci, je l'aime bien. Pourquoi? Parce qu'il a une texture qui n'est pas grasse, qui est fluide, mais pas grasse. Donc, si vous le mettez le matin, vous pouvez vous habiller tout de suite après. Il n'y a pas de problème. Ça ne va pas graisser votre peau parce que le problème des hydratants pour peau atopique, c'est que c'est souvent très gras. Et bien là, non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas gras du tout, ça va bien hydrater votre peau. Vous allez voir que la peau elle est vraiment hydratée, qu'elle est vraiment satinée, mais ça ne va pas la graisser ni rien. Et vous pouvez vraiment le mettre tout au long de la journée, le matin avant d'aller travailler, le soir pour réconforter votre peau. Vous pouvez en mettre même aussi sur les mains. Moi, je sais que j'en ai mis sur les mains et sur les talons et ça a super bien marché. Ma peau, elle est redevenue vraiment souple et douce, même à ce niveau-là où normalement c'est des soins spécifiques, mais là, ça a marché aussi. Et vraiment, votre peau, elle est relipidée, réhydratée. Vous sentez qu'il n'y a plus cette sensation de grattage, de rugosité. Non, vraiment, elle redevient normale, quoi. Voilà. Ça permet, même avec les agressions de l'hiver, d'avoir une peau réconfortée et qui n'est pas sèche. Voilà, ça convient aussi également aux personnes qui ont de l'eczéma ou vous voyez ce genre de problème de peau. Voilà, donc ça convient également. Appliquez aussi souvent que nécessaire. Moi, je vous dis, j'en mets le matin, le soir, j'en remets même sur mes mains avec des gants en coton dans la journée. Si vraiment j'ai les mains trop sèches, hop, je mets ça, et c'est ce que j'ai fait pendant une semaine, et ça m'a redonné la peau des mains. Vraiment, les mains sont redevenues normales.
Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis vraiment beaucoup, beaucoup de lait sur les mains. J'ai fait pénétrer, j'ai mis des gants en coton et j'ai gardé ces gants le plus souvent possible. Bon, le mieux, c'est quand même le soir avant de dormir parce que comme ça, vous êtes tranquille, vous n'avez pas à toucher quoi que ce soit. Mais même dans la journée, si vous savez que vous n'allez rien faire de spécial, vous mettez vos gants et là, ça fait bien pénétrer le produit sur les mains. Voilà. Il n'a aucun parfum. Donc ça, je le dis aussi. Donc ça convient très bien aux peaux sensibles. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas d'allergie. Il n'y a rien. Moi, j'aime bien le format 250 millilitres qui est généreux parce que comme ça, vous en avez suffisamment pour une application quotidienne matin et soir, par exemple, ou même en retouche. Moi, ça fait une semaine que je l'ai et vraiment, il n'a presque pas bougé. Hein. Pourtant, j'en mets beaucoup. Mais vraiment, il est économique. La seule chose que je regrette un petit peu, c'est qu'ils n'aient pas mis de flacon pompe sur ce format-là. Je sais que le flacon pompe, il y est sur les formats 400 millilitres, mais sur le format 250, il n'y a pas de flacon pompe. Donc vous êtes obligé de retourner le produit et de secouer un petit peu pour que ça sorte. Donc bon, c'est un petit bémol, mais ça n'enlève en rien l'efficacité du produit. C'est juste un petit côté pratique. Ça aurait été préférable d'avoir un flacon pompe. Maintenant, bon. Peut-être qu'ils estiment que comme c'est assez léger par rapport aux 400 millilitres qui est plus lourd, il n'y a pas forcément besoin, mais c'est pas très grave, on s'en accommode. Alors au niveau de la texture, je vais vous quand même vous montrer. Donc voilà, vous voyez, c'est comme ils appellent, en fait c'est de l'eau dans l'huile. Voilà, eau dans l'huile, ce qui fait que la texture elle est hyper fondante, hyper onctueuse, vous voyez. Et ça pénètre très bien dans la peau et très rapidement. Vous voyez, hop, en à peine quelques instants, la matière, elle est déjà rentrée dans la peau. Et la peau, elle est hyper satinée. Voilà. Vous voyez, elle est vraiment très bien hydratée. Et c'est à effet longue durée, effectivement, puisque toute la journée, vous avez la peau hydratée. Et c'est pour ça que c'est super bien en hiver. Moi, je vous le conseille vraiment. En plus, il n'est pas cher du tout. J'ai pu voir que c'était aux alentours de 13 euros. Donc, un format comme ça à 13 euros, ça vous dure quelques mois. Donc, franchement, c'est pas cher. Il ne faut pas s'en priver. Vous avez plusieurs formats. Vous avez celui-ci. Vous avez le 100 ml qui est un format voyage. Donc, petit format pour emmener dans le sac, par exemple, ou en voyage. Et le format 400 ml. Le format des familles, comme je l'appelle, si vous avez donc plusieurs personnes qui s'en servent, des enfants voilà, ou toute la famille, et ben le format 400 ml aussi, ça peut être super intéressant pour vous. Et là, le flacon pompe, voilà. Mais 250 ml, c'est le format standard et c'est déjà très bien si vous êtes tout seul à l'utiliser ou même si vous êtes deux. Moi, je sais que dans la famille, là, je le fais tester aussi parce qu'on a le même type de peau, donc ça permet d'avoir plusieurs avis. Et on est deux dessus et franchement, je vous dis, hein, ça n'a pas bougé. C'est très économique. Voilà. Et donc voilà ce que je pouvais en dire. Autrement, bah écoutez, moi je suis très contente. Je suis contente aussi qu'il n'y ait pas de parfum, comme ça il n'y a pas de risque d'allergie. Et ça convient très bien, comme je l'ai dit, aux peaux sensibles. Voilà. Donc c'est une jolie découverte. Moi personnellement, je ne connaissais pas au niveau des laits pour le corps Eucérine. Sachez que dans la même gamme, vous avez aussi pour le visage. Si vous avez le visage très sec, ça c'est pour le corps. Voilà, donc je regarde si j'ai rien oublié d'autre. Non, voilà. Donc ça c'est pour le corps et franchement la peau elle est sauvée. Elle est sauvée parce que à l'approche de l'hiver, moi je commençais à avoir la peau très très sèche. Surtout oui aux bah, les mains, les talons, les genoux. Et puis là ici, il faut que je l'entretienne tous les jours avec un soin spécial pour les peaux sèches ou atopiques. Et donc celui-là il est génial et il n'est pas gras du tout. C'est ça qui est aussi bien parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir la peau grasse après avoir mis un soin. Mais celui-là il pénètre très vite dans la peau et il est très hydratant. Donc c'est super et il est longue durée. Voilà. Donc je suis super contente de ce petit test. Et donc ça fait une semaine que je l'ai et bah écoutez. Voilà, moi je suis super contente et je vais continuer à l'utiliser et je pense que je le rachèterai parce que je suis satisfaite et puis je le trouve pas cher par rapport peut-être aux autres soins qu'on peut avoir pour les peaux atopiques. Voilà, donc je vous le remontre encore une fois, c'est le sérum Urea Repair Plus émollient 10% durée. Alors 10% pour les peaux très sèches et rugueuses, mais sachez aussi qu'il existe
5% d'urée pour les peaux qui sont moyennement sèches. Voilà, donc à vous de choisir, de voir en fonction de votre type de peau. Moi, j'ai reçu celui-ci parce que j'avais indiqué que j'avais la peau très sèche. Donc, ils m'ont envoyé celui-ci et c'est tout à fait ce qu'il me fallait. Voilà, je vous le remontre. Voilà. Donc, je remercie Eucérine et Sampléo pour ce test, pour cette sélection. Et puis, ben voilà, j'espère que ça vous a fait découvrir peut-être un nouveau produit ou que ça vous a donné envie de l'essayer vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous fais de très 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 gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche également pour recevoir en notification dès que je poste une vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests, de nouvelles découvertes. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye!